Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing partenariat. J'ai eu pas mal de demandes dernièrement, donc vous allez voir passer pas mal de partenariats. Moi, ça me permet de vous faire plusieurs vidéos, d'avoir des produits gratuitement, on va pas se le cacher, hein, et de prendre aussi également des choses pour vous régulièrement pour organiser des concours sur mon Instagram Angélique Diamond Painting. D'ailleurs, en parlant de concours Instagram, j'essaie d'en organiser un toutes les 2 semaines. Pas toutes les semaines parce que je ne veux pas vous saouler non plus. Mais toutes les 2 semaines. Donc là, je vous donne rendez-vous vendredi. Ce vendredi-là, je ne sais pas où on sera le combien. Le 20 et quelques. Parce que là, on est lundi 22 au moment où je filme. Et du coup, vendredi, on sera le 26. Donc, je vous donne rendez-vous sur mon Instagram Angélique Diamond Painting pour participer à un nouveau concours. Pour gagner des choses en rapport avec le DP. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous présente un nouveau partenaire. Donc c'est une boutique que je connaissais de nom et que je sais son sérieux de réputation. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai accepté quand ils m'ont gentiment proposé de recevoir des produits gratuitement. Il s'agit de la boutique FG Normal ou Normal. On va la dire à la française, FG Normal. On s'est échangé des mails le 20 janvier et j'ai reçu ce paquet le 17 février. En sachant que là, tout est un peu au ralenti étant donné que c'est le nouvel an chinois. Je crois qu'on s'approche de la fin ou c'est tout juste la fin. Donc là, les envois et tout ce qui est AliExpress et tout va reprendre gentiment. Et toutes les boutiques comme ça, indépendantes, comme elles sont basées en Chine également. Donc voilà, là, ça a mis presque un mois. Mais je pense qu'en temps normal, ça doit mettre un tout petit peu moins. Ils m'ont donné 40 livres de budget et du coup, j'ai sélectionné plusieurs petites choses, dont 2 choses pour vous, il me semble. Je n'ai pas, là, j'ai mon carnet, mais je n'ai pas re-regardé le détail puisque je veux me garder la surprise. Le paquet est énorme. Alors, on va déjà tout sortir pour éviter que ça fasse énormément de bruit. Alors, tac. Hop, 2, 3, je ne sais plus combien il y avait de produits différents. 4, 5, 6, 7, c'est tout. Ah, 8, voilà, normalement, hop, je mets le sachet plus loin, normalement c'est bon. Du coup, je vais juste regarder, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. J'aurais dû avoir 9 trucs, tout simplement. Alors, moi, j'avais sélectionné, je vais vous dire. Moi, j'avais sélectionné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 choses. J'avais sélectionné 7 choses et il m'avait demandé est-ce qu'on peut vous envoyer 2 toiles parmi nos nouveautés. Et j'avais dit avec grand plaisir. Et du coup, c'est la surprise. Je ne sais pas quelles sont ces 2 toiles. Par contre là je vois que j'ai, ah non attendez, c'est moi qui ai du mal compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est ça? Non, il manque bien un truc. Bon, on va bien voir hein, par rapport à ce que j'ai noté, peut-être que dans les 2 choses qu'il m'avait dit, les 2 toiles nouveautés qu'il m'envoyait, peut-être qu'il n'y avait qu'une seule chose, enfin bref. On va commencer par les 2 petites choses que vous voyez là. Alors pour vous, pour le concours, j'ai sélectionné. Enfin, j'ai sélectionné, j'ai choisi sur mon budget des 40 livres. Hein. Je ne leur demande pas des choses en plus. Je pioche toujours sur le budget que la boutique me donne. J'ai sélectionné ce stylet qui m'avait l'air beaucoup trop mignon. Alors, attendez, si j'arrive à le sortir sans l'abîmer. Hop. Voilà, c'est un petit stylet tout... un peu anti-stress, là. Vous voyez? Les trucs qui se déforment et qui reprennent leur forme. Hop, vous avez le petit embout là et vous avez le stylet. Alors par contre, il s'enfonce dans le fond. Je ne sais pas si vous voyez. Ah, quoique là, il a l'air de plus bouger. Ouais, bon. Je ne sais pas si c'est hyper pratique, mais en tout cas, voilà, pour vous faire gagner, j'ai trouvé ça trop mignon. Donc c'est pour ça que j'ai craqué dessus. Et puis la matière est quand même très très satisfaisante. Hein. Ça faisait longtemps que je n'avais pas touché des trucs comme ça. C'est trop marrant, j'adore. Ça se déforme. Ça fait du bruit. Je ne sais pas si on entend. Bref, voilà, c'est très très mignon. J'ai sélectionné ça pour vous. Donc, il était à 1,99€, ce qui faisait, enfin, ce qui fait 3,99€. C'est peut-être un petit peu cher, 3,99€.
Mais bon, c'est mignon, donc on va dire que ça va. Donc ça sera à gagner prochainement, pas pour le concours forcément de vendredi là, parce que je sélectionne au pif, hein, enfin pas au pif, mais je veux dire, je mélange un peu les lots et tout, je vais pas, ce que vous voyez là, ça sera pas ce qui sera gagné obligatoirement lors du prochain concours. Parce que j'ai déjà plein ma boîte à objets, accessoires et toiles pour les concours se remplit petit à petit. Donc je sélectionne ce que j'ai envie sur le moment de vous faire gagner. Voilà. Ensuite, quand j'ai vu ça, forcément j'étais obligée de craquer. Alors, attendez, je déballe. Ce sont des porte-clés. Attendez. Hop. Donc ce sont des porte-clés, je ne les voyais pas aussi gros. Donc ça va être trop cool à diamanter. Des porte-clés Mr. Jack. Donc forcément, hein. Vous savez mon amour pour Mr. Jack. Si jamais vous me suivez depuis peu, parce que là il y a beaucoup de nouveaux abonnés depuis que je fais pas mal de vidéos d'épée, donc bienvenue à vous. Je suis une très très grande fan de Tim Burton et de L'étrange Noël de Mr. Jack. J'ai tout un bras tatoué sur cet univers. Hein. Et du coup, forcément, quand j'ai vu ces porte-clés, j'étais obligée de craquer. Donc on a... c'est en acrylique. En acrylique, je pense. On a Mr. Jack comme ça. Le recto et le verso sont à diamanter. Voilà. Vous avez donc à chaque fois la petite pellicule à soulever quelque part, si on la trouve là. Attendez, j'essaye juste pour voir au moins si ça colle bien. Hop, vous avez la petite pellicule. Je pense que vous voyez. Et ça colle très très bien. Voilà, les symboles sont très très nets. Hop. Donc on a ce modèle là, on a le modèle simple comme ça. Toujours recto verso. On a le même, j'ai l'impression que c'est le même celui-là. Attendez. C'est carrément le même. Bah, j'en ferai un, je vous en ferai peut-être gagner un, tout fait. Ça peut être sympa. Voilà, ensuite on a la version citrouille qui est trop belle. Voilà. Et Oogie Boogie. Qui est trop trop beau. Et donc il y a un petit trou à chaque fois. On a les petites attaches porte-clés. On a le toolkit de base avec quelques petits sachets zip. Et au niveau des strass, ils m'ont l'air assez classiques. On a juste quelques petits... des espèces d'abbés un petit peu légèrement. On a des petites gouttes bleues, des gouttes blanches, vous voyez. Là, il y a des petites gouttes bleues. Là, il y a des plus grosses gouttes blanches. Là, il y a un peu, c'est pas vraiment des AB, c'est des un peu perlés. Je sais pas si vous voyez un petit peu des reflets comme des perles de culture. Et puis après, c'est des petits strass ronds classiques. Voilà. Et bien écoutez, j'ai hâte de faire ça avec vous. J'en ferai de mon côté. Et peut-être qu'on en fera un en blabla d'épée. Ouais, on en fera peut-être un, la citrouille peut-être, parce qu'elle est trop belle. Et après, le reste, je le ferai de mon côté. Et je vous posterai les photos sur mon Instagram. Angélique Diamond Painting, sur le groupe, etc., etc. Voilà, alors, ces petits porte-clés, qui sont gros, je ne les voyais pas comme ça, hein, donc je suis agréablement surprise. Le lot de 5, 4 livres 99, donc 9,99€. Voilà. Bon, en sachant qu'à mon avis, il y a plusieurs heures de diamantage, en plus, le recto et verso sont à faire, donc du coup, je trouve ça assez raisonnable. Ensuite, allez, on prend une petite toile et on continue. Je suis surexcitée. Alors. Petite toile. Attendez, parce que... Hop. Qu'est-ce que... Ah, c'est la toile pour le concours. Voilà, c'est une toile que j'ai sélectionnée pour vous. Alors, ne me jetez pas des pierres, ce n'est pas du tout mon univers. Je sais que ces collections de toiles avec ces personnages-là ont beaucoup la cote dans le milieu du DP. Moi, ce n'est pas du tout... Alors, je trouve ça très mignon, mais... Alors, je ne vais pas dire jamais, mais je ne pense pas que vous verrez sur ma chaîne cette collection-là faite par moi, parce que c'est pas du tout mon univers. Mais comme je sais que ça plaît beaucoup
j'ai voulu en prendre pour vous faire gagner. Parce que voilà, je ne prends pas que des trucs qui me plaisent tout le temps à moi. Je pense aussi bien sûr à vous, hein, surtout quand c'est pour les concours. Donc voilà. Il s'agit d'une petite Gorgeous. Donc là, j'ai choisi celle-ci parce qu'elle est mignonne. Enfin, je les trouve mignonnes en fait. C'est pas le truc, mais je sais pas. C'est pas du tout mon univers. C'est pas, ça me parle pas en fait. Donc du coup, même si je les trouve mignonnes, c'est pas, je me vois pas en acheter pour les faire. Voilà, ça serait pas un plaisir pour moi. Donc voilà. Mais pour le concours, comme je sais que beaucoup aiment cet univers et ces petites demoiselles, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire plaisir. Du coup, j'ai choisi celle-ci que j'ai trouvée hyper mignonne parce que voilà, les couleurs déjà sont très belles, violet, bleu et tout. Il y a des petites étoiles et elle tient un sachet d'étoiles. Enfin, un sachet ou un petit bocal plutôt, une petite fiole avec des petites étoiles et elle a un filet où elle a attrapé des petites étoiles dedans. Donc, je trouve ça très mignon, mais voilà. Pas à faire par moi, mais pour vous faire gagner, je me suis dit que ça pouvait être sympathique. Du coup, l'impression est très 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 nette. Regardez, je vous montre. Voilà. Au niveau du collant, je regarde. Ça colle très bien. Vous avez les DMC en bas et en haut, enfin en haut et en bas. C'est une 30-40. Il y a 22 couleurs, elle est très très jolie. Hein. Ceci dit, la qualité, la toile est épaisse, il n'y a rien à dire. Hein. C'est juste que moi, les Gorgeous, ce n'est pas du tout mon univers. Ce n'est pas quelque chose qui me plairait à faire, même si je trouve ça adorable. Au niveau des diamants, ce sont des diamants ronds avec des très très belles couleurs. Je ne vais pas vous les déballer là, mais les couleurs sont très très jolies. Petit toolkit de base avec des sachets zip, un grand pain de cire, le petit stylet et la barquette verte. Et du coup, cette Gorgeous en 30-40 qui sera gagnée du coup sur mon Instagram, une moto passe, grosse moto, elle était à 4,99, 4,99 livres, donc 9,99 €. Je vous dis des bêtises depuis le début. Je suis fatiguée. Alors, j'ai pas fait la conversion, c'est bizarre parce que d'habitude je pense à faire la conversion en euros. Bête que je suis. Non, alors le stylet était à 1,99 € au lieu de 3,99 €, parce qu'il y a toujours des promos sur ces sites-là. Du coup, je vais vous faire la conversion. D'habitude, je note la conversion sur mon carnet et là je ne l'ai pas fait, je sais pas pourquoi, je devais être à l'ouest. Conversion livre euro. Je me disais aussi, c'est bizarre. Mais c'est pas grave, on va le faire, je vais vous le faire à chaque fois là. Donc le petit stylet, 1,99 €, ça faisait 2,30 €, ce qui est quand même plus raisonnable. Ensuite, on a regardé quoi? On a regardé les petits porte-clés, porte-clés, 4,99 €, donc 5,77 € les 5 porte-clés, donc ça fait un peu plus d'1 € le porte-clés. Pour le temps qu'on va passer dessus, enfin que je vais passer dessus en l'occurrence, c'est très raisonnable. Et là, donc cette toile là, et ben pareil, c'est 4,99 €, donc 5,77 €. Honnêtement, pour une très jolie toile comme ça, je trouve ça pas cher du tout, du tout, du tout. Voilà. Et puis du coup, ça me fait plaisir de prendre des choses pour vous parce que je sais que ça. Ça plaît, donc du coup ça me fait plaisir de prendre aussi des choses qui me plaisent pas forcément mais qui je sais vont plaire pour vous en fait. Voilà. Ensuite, c'est parti, on continue. Alors, c'est une partielle. Ça ne me dit rien. J'ai pas dû choisir ça. Non, ça ne me dit rien. Bon. Alors. On va regarder, ça fait peut-être partie des choses qu'ils m'ont envoyées parmi leurs nouveautés. Parce que je ne me souviens pas avoir choisi ceci. Alors, tac, donc c'est une... elle est à l'envers. Je vous la montre à l'endroit pour vous. C'est une toile partielle. Elle est un petit peu raide. Elle n'est pas aussi souple que les autres. Waouh, les couleurs sont très 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 jolies. Alors attendez, j'essaye un petit peu de la déplier parce que vous voyez, elle est assez, elle n'est pas aussi souple, elle est assez raide.
faudra un petit peu l'aplatir avant de la faire. Donc c'est une partielle, il y a l'air d'avoir des diamants de fou, donc c'est un éléphant, mais on a aussi un dauphin, on a des vagues, on a un petit poisson, on a des étoiles de mer, le soleil, là encore des vagues, c'est très très beau. On se demande ce que l'éléphant fait avec les dauphins et dans l'eau, mais pourquoi pas. Très très joli. Au niveau de l'impression, c'est parfait. Regardez. Qualité. Est-ce que ça fait le point? Voilà, très très belle qualité d'impression. Voilà, les couleurs sont très jolies. Vous voyez, la toile est très très lumineuse. C'est très très beau. Au niveau des diamants. On va peut-être regarder brièvement. Alors. Tac. C'est surtout pour regarder les spéciaux spéciaux. Donc ce sont des diamants ronds classiques pour la partie pour ceux qui sont ronds classiques avec des très belles couleurs. Voilà. Je vous montre brièvement parce que ceux-là, bon, c'est des ronds classiques. C'est juste pour vous montrer un peu la couleur. Hop. Voilà. Et là, après, on arrive sur les spéciaux. Donc, on a ceux-là. Des grandes gouttes. On a des ronds rouges comme ça, assez gros. Des encore plus gros nacrés. Des demi-perles comme ça. Et des grosses demi-perles nacrées. Voilà. Mais écoute, c'est... Écoute. Écoutez, c'est très joli. Par contre, bon, je suis sincère, je ne l'aurais pas choisi parce que c'est pas mon genre de toile. Donc du coup, je vais la garder pour un futur concours aussi. Et voilà, je vous la garde pour vous parce que je sais que ça, enfin, je pense que ça peut vous plaire. Moi, elle est très jolie. Les couleurs sont magnifiques. Les diamants, voilà, les couleurs sont éclatantes et tout. C'est très joli, mais voilà. Je vais la garder pour vous. Parce que c'est pas trop dans mon style. En tout cas, je ne l'aurais pas choisi moi si j'avais passé commande sur la boutique. Donc je préfère vous faire plaisir et la mettre de côté pour un futur concours. Voilà. Petit toolkit de base. Hein. Je ne sais pas si je l'avais dit. On va juste regarder si ça colle bien. Parce qu'on a vu que les symboles étaient très nets. Et ça colle très bien. On a les DMC en bas et en haut. Et voilà. Il y a 14 couleurs. Mais écoutez, c'est très joli. C'est juste que c'est pas du tout mon style. Mais je pense que ça plaira à quelqu'un. En tout cas, les concours, si jamais vous voyez que la toile ne vous plaît pas, vous êtes toujours libre de ne pas participer. Hein, quand je fais des concours, si le truc ne vous botte pas, vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé. Donc là, je ne peux pas vous dire le prix tout simplement parce que ce n'est pas une toile que j'avais choisie. Alors, je pourrais aller sur le site et tout, mais je vais être combien d'années à la retrouver? Je ne sais pas. Mais je vous laisserai aller voir. Je pense que c'est à peu près dans les mêmes prix que les autres. Ensuite, j'ai sélectionné cette petite chose parce que je commence à être à court de rangement. Et je me suis dit qu'une petite valisette comme ça, ça pouvait être sympathique pour les petites toiles ou les toiles en diamants spéciaux. Donc, petite valisette noire avec le liseré rose. Vous avez plusieurs couleurs de liseré là. Et là, c'est... Alors, c'est pas la plus petite, je crois, mais c'est celle de juste au-dessus. On a les petites pastilles pour mettre les numéros et les coller directement dessus. Et donc là, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 emplacements. Enfin, 15 bouteilles. Donc vous avez les petites bouteilles incluses avec. Et c'est des grandes bouteilles quand même, hein, vous voyez. Voilà. Et tout est en parfait état. C'est très pratique. Là, vous pouvez ranger des petits trucs. Votre petit stylet, votre petite barquette et tout. Franchement, cette petite boîte est super pratique. Et du coup, voilà. En général, les toiles que je fais ont toujours plus de 15 couleurs. Mais pour les petites partielles, je trouve que ça peut être super pratique parce que souvent, même si une toile est partielle ou c'est comme celle que je viens de vous montrer juste avant, à moins que vous ayez plusieurs heures devant vous non-stop en faisant que ça, moi, j'ai pas souvent plusieurs heures non-stop. Donc même une partielle, je ne la ferai pas d'un coup en one shot. Donc du coup, je trouve que c'est pratique de pouvoir ranger les petits diamants dans une petite mallette comme ça. Voilà. Du coup, cette petite mallette qui va bien me servir était à
12 livres 12 au lieu de 19 livres 20. Et du coup, 12 livres 12, ça vous fait 14 euros. Voilà, il y a déjà les petites bouteilles dedans et c'est super pratique. En sachant que j'en ai commandé une comme ça, moi, que j'ai commandé sur AliExpress parce qu'il y avait une offre, j'en ai commandé une grosse. Je crois que c'est une 60 bouteilles. Donc, je vous montrerai ça lors d'un prochain unboxing. Voilà. Ensuite, plus que 3 petites choses. Tac. Alors... Je suis contente parce que je vais pouvoir vous gâter pendant encore longtemps avec tout ce que je suis en train de mettre de côté. Donc, ça me fait super plaisir. Ah, là, c'est... Ce n'est pas moi qui ai choisi ça. Hop, donc, c'est un portrait. Alors, regardez. Oh, c'est très joli. C'est un portrait d'une femme. Je dirais d'une autre époque. Je ne saurais pas dire quelle époque. Parce que je vois un peu le style et tout avec ce joli chapeau. Elle a un manteau rouge avec de la fourrure et on voit derrière qu'il neige et qu'il y a des sapins enneigés. C'est très 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 joli. Très joli. Alors absolument pas mon style non plus. Donc pareil, je pense que je vais la garder pour vous faire gagner. Mais celle-ci me plaît plus que la partielle parce que c'est plus mon genre. J'aurais presque pu la choisir pour moi. Elle est très très belle. Mais voilà, je préfère encore une fois vous la mettre de côté parce que si on... Voilà, je ne l'aurais pas achetée. Mais en tout cas, elle me plaît beaucoup, je la trouve très jolie. Donc pareil, on a les DMC en bas et en haut. Il y a 24 couleurs quand même hein, pour une 30-40. Les symboles sont très très bien imprimés. Je vous montre. Voilà. Comme vous voyez, c'est très net. Est-ce qu'elle colle bien? On va regarder tout de suite. Elle colle très très bien. Et elle est jolie, hein. Je pense que... Voilà, je peux pas dire qu'elle n'est pas belle parce que c'est pas vrai, elle est très très belle. L'impression est très bien, je trouve que la taille est très adaptée. Hein. Parfois on a du 30-40 où les images, c'est pas ça du tout, quoi. Et on a ce genre de modèle comme ça où en 30-40 ça passe, mais nickel. On voit même qu'il y a des roses en fait sur son manteau, enfin... Voilà, les détails sont là, même en 30-40. Je trouve ça très, très, très joli. Voilà, donc je pense qu'elle plaira, celle-là, en concours. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ce sont des diamants ronds et les couleurs sont sublimes. Hein, regardez, on a vraiment plein de couleurs rouges, roses. On a du taupe, du rose clair. Voilà, ce sont des très, très belles couleurs. Voilà. Hop. Et donc, ça va s'ajouter au prochain petit... au prochain concours, prochain ou pluriel. du coup, je peux pas vous dire le prix, puisque pareil, ça faisait partie des 2 toiles qui m'ont proposé de recevoir en supplément. Donc, je ne savais pas lesquelles j'allais recevoir. Donc, je n'ai pas pu regarder les prix. Ensuite, nouvelle petite toile... Ah, c'est celle que j'avais le plus hâte de découvrir. Ça y est, je m'en souviens. Vous êtes prêts? Attendez, je vais enlever les diamants déjà. Celle-là, elle avait tellement l'air magnifique. J'essaie d'attraper le toolkit. Hop. Vous êtes prêts? Tadam! Est-ce que ce choix vous étonne? Non. Ah, elle est trop, trop, trop belle. Donc c'est une 30-40, pareil, et je trouve, je pense que vous pouvez voir au retour caméra, moi je vois au retour caméra brièvement de loin, j'ai pas mes lunettes, mais je pense que vous pouvez voir vous de loin, c'est ça que je voulais dire, que encore une fois la taille est hyper adaptée en fait à ce motif. Donc c'est Mickey et Minnie de Noël. Je suppose qu'ils sont au parc, au vu du décor qu'on voit derrière, là il y a le grand sapin. Donc ils sont en tenue de Noël, ils sont magnifiques. Voilà, j'adore. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Vous voyez, je trouve qu'en 30-40, pareil, elle passe très très bien. Elle est magnifique. J'avais trop hâte de voir ce que ça donne en 30-40 et je suis absolument pas déçue. Voilà, elle est super jolie, ça passe très très bien. Au niveau du collant, ça colle très bien. Donc, je me suis fait avoir par la batterie qui s'est éteinte d'un coup.
Donc, on a regardé le collant. Je pense que là, on a vu que ça collait bien. Au niveau des symboles, les symboles sont nets, à part quelques-uns à ce niveau-là, où on peut voir, hein, même moi, avec mes yeux sans lunettes, j'arrive à voir, donc c'est pour vous dire que ça va. Hein. Mais c'est moins net que les autres. Donc, je vais vous montrer, déjà, pour vous montrer quand même qu'ils sont nets. Est-ce que vous allez voir? Voilà. Mais là, au niveau du château, il y a certains symboles. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est dans une pliure. Vous voyez les verts, là. Les verts et les violets, les A et les C. Je pense que c'est au niveau de la pliure, puisqu'autour, vous voyez qu'ils sont très nets. Donc, je pense que c'est vraiment au niveau de la pliure, là. Ou peut-être que comme la toile était un petit peu pliée, au moment de l'impression, c'est un petit peu moins bien imprimé. Mais bon, j'arrive quand même à les lire largement sans lunettes. Donc, ça passe très, très bien. Mais écoutez, je la trouve, elle fonctionne très bien en 30-40. Donc je suis super contente. Petit toolkit de base. Et les diamants, ce sont des diamants ronds. Et les couleurs ont l'air très jolies. Hein. Regardez. Voilà. Hop, si vous entendez ronfler, c'est... ce sont mes carlins. Je précise toujours. Hein. Alors, cette petite toile... Mickey 30-40, 4,99 €, donc on avait vu que ça faisait, je re-regarde, 5,77 €. Pareil pour du Disney et tout, souvent sur AliExpress, tout ce qui est personnages comme ça, Disney ou Gorgeous ou les trucs comme ça, ça tourne plus autour des 9-10 € que 5 €. Hein. 5,77 €, là c'est vraiment pas cher. Et la dernière, donc je sais. C'est bien ce qu'il me semble, il me manque des choses. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, sûrement que la boutique n'a pas pu tout m'envoyer. Alors, du coup, je vais voir ce que c'est. Alors, il me semble qu'il y a un truc que j'avais commandé et j'espère que ça va être dedans parce que c'est une nouveauté. Oui! Bon, alors du coup, ça va, je suis pas trop, je suis pas trop triste. Donc, il me manque juste, en fait... il me manque qu'un truc en fait, il me manque des cartes de Noël. J'avais choisi des cartes à diamanter de Noël, voilà. C'est la seule chose qu'ils ne m'ont pas envoyée. Donc écoutez, ce n'est pas grave, je ne sais pas si c'est un oubli, il n'y a rien dans le sac. Hein. Non, je ne sais pas si c'est un oubli ou si c'est juste qu'il n'y avait pas de rupture parce que la boutique ne m'a rien dit au moment de nos échanges. Mais du coup, cette dernière chose, du coup, comme il ne reste plus qu'une chose, je sais ce que c'est. J'avais hâte parce que, maintenant c'est connu, hein, mais moi je n'avais jamais essayé et j'étais curieuse. Donc on a les diamants que je vais découvrir avec vous. Attendez. Ah, la toile a collé sur les diamants. Non, c'est bon. Hop, alors, on a les diamants. Ouh, les couleurs sont très belles. Alors, on va regarder après, mais je vais vous montrer la toile. Elle se regarde comme ça. Voilà, donc, c'est une toile en... C'est une toile en quoi? En 30-40. Et c'est une toile mystère. Ouais. Comme vous pouvez le voir, tous les symboles sont en noir et blanc. On a les DMC ici, donc avec tous les numéros, mais bien sûr, donc il y a les DMC, les numéros, mais il n'y a pas les couleurs. Et à l'endroit où il y a l'image, c'est un point d'interrogation, donc c'est une toile mystère. Alors peut-être qu'au retour caméra, parce que je sais que de loin, on peut, parfois c'est comme les colos mystères, hein, parfois on arrive à deviner ce que c'est. Moi là, j'ai le nez dessus, je ne vois pas, donc c'est cool. Si vous voyez, ne me dites pas dans les commentaires, hein. Essayez de me garder quand même la surprise, parce que c'est un petit peu le but, c'est de garder la surprise jusqu'au moment de faire la toile. Donc si vous voyez, ne me dites pas ce que c'est, mais vous pouvez me dire si vous pensez avoir deviné ou pas, sans me dire ce que c'est, voilà. Donc bah, écoutez, voilà, j'étais vraiment curieuse de tester ça, j'en voyais passer un peu partout et j'avais trop envie de tester. Donc ce sont des diamants ronds. Alors, on a la fiche de route, mais pareil, sur la fiche de route, il n'y a pas l'image, il n'y a rien du tout. Et oh, les couleurs, par contre, y a beaucoup de rose. Ça m'étonne. Je ne sais pas si vous allez voir, je ne veux pas déballer, mais vous voyez. Quoi qu'il y a beaucoup de noir aussi. Il y a beaucoup de noir et beaucoup de rose. Ouais, rouge, orange, beige et noir. Voilà,
c'est sensiblement à peu près tout. Là, il y a juste un sachet de bleu ciel, mais sinon, c'est du rouge, beige, noir, rose. Voilà, je suis hyper curieuse. Il y a combien de couleurs ? 24 couleurs quand même, hein, ce qui n'est pas négligeable. Pour une 30-40, on va regarder le collant. Ça colle très bien. Les symboles, bah, du coup, c'est très lisible et très clair, étant donné que c'est en noir et blanc. Donc, ils sont... Je vais pas y arriver. Ils sont bien imprimés et très lisibles. Voilà. Mais je suis très curieuse. J'essaye de regarder comme ça à l'endroit. Pour moi, non, je vois pas. C'est peut-être un paysage. Mais je suis incapable de dire... Je suis incapable de dire... Là, vous le voyez à l'envers pour vous. Moi, je le vois face à moi. Je ne suis pas capable de dire ce que c'est. Ouais, peut-être un paysage, je sais pas. Et ben, ça sera la surprise. J'avais un peu peur, en fait, au déballage, comme quand j'attaque un colo Disney, j'avais un peu peur de deviner tout de suite ce que c'est. Et là, pas du tout. Donc, comme je devine pas, je suppose que c'est un paysage, parce que sinon, si ça avait été une fleur ou un personnage, j'aurais peut-être deviné tout de suite au niveau de la forme. Mais là, non. Donc, bah, écoutez, je suis très... curieuse de savoir ce que c'est, et je pense qu'on la fera incessamment sous peu. Voilà. Donc cette toile mystère en 30-40 était à 7,99 € au lieu de 15,99 €. Et 7,99 €, ça fait 9,24 €, donc moins de 10 €. Je trouve ça hyper raisonnable. Voilà. J'espère que ce nouvel unboxing vous a plu. Je suis très contente de l'avoir filmé. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous prochainement pour faire des choses en blabla d'épée, notamment un petit porte-clés, je pense. Et puis, je pense mettre en route une troisième toile. Je sais, c'est pas bien. Enfin, c'est pas bien. Il n'y a pas de c'est pas bien ou c'est bien. Mais je pense mettre en route une troisième toile quand j'aurai reçu ma nouvelle boîte de rangement, ma grosse, parce que là, la petite, c'est pour des petites toiles. Mais quand j'aurai reçu la grosse boîte de... Enfin, il me manque les petites bouteilles à mettre dedans. Donc quand j'aurai reçu les petites bouteilles, je pense mettre en route une troisième toile. Comme ça, moi, ça me permet de tourner, de pas toujours être sur les deux mêmes. Et puis vous, comme ça, ça vous fera voir aussi un petit peu autre chose que toujours les mêmes toiles, en fait, sur ma chaîne. Et puis, je ferai bien sûr la préparation de cette nouvelle toile, la répartition des diamants dans les petites bouteilles et tout et tout. Je ferai tout ça avec vous en blabla d'épée, parce que la dernière fois, ça vous avait bien plu. Et puis moi, ça me permet de faire passer le temps et de papoter avec vous pendant que je prépare la nouvelle toile, en fait. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous mets donc le lien de tous les produits que je viens de vous montrer en barre d'infos. Au niveau de la livraison, parce que c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, la livraison est offerte au-delà de 50 livres, enfin à partir de 50 livres. Sinon, c'est un prix unique, en tout cas pour la France, de 6,99 € de frais de port. Donc, ça vous fait du 8 € de frais de port. Ça vient de Chine, je rappelle, donc ça reste raisonnable. Si vous prenez beaucoup de choses, comme je dis à chaque fois, si jamais il n'y a qu'une toile qui vous plaît, autant essayer de la trouver sur AliExpress chez un vendeur qui fait des frais de port gratuits. Ça sera plus avantageux que de payer les 8 € de frais de port, bien évidemment. Mais si jamais vous faites une grosse commande, bah, si elle atteint les 50 livres, c'est tout bénef parce que vous ne payez pas de frais de port. Ou sinon, bah, faites une commande groupée avec quelqu'un, une amie ou quelqu'un de votre famille qui fait aussi du DP. Ça peut être intéressant. Comme ça, vous ne payez pas les frais de port. Bref, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye !